Et hey, les gens, bienvenue sur frappe-jeu.fr ou sur mon blog dissentre3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Two Point Hospital où on redémarre une partie sur un niveau qui m'était trop compliqué pour le démarrage et je pensais pas pouvoir rattraper. Du coup, c'est reparti pour un tour. C'est un jeu qui m'a été offert par Sulib sur PC. On y retourne. Et on va essayer cette fois-ci de réussir notre partie correctement. Après l'avoir raté, et bien raté même, on va essayer de faire mieux. C'est pas mal que j'améliore cette machine quand même, le diano facile. Alors on va vraiment essayer d'y aller étape par étape. En étant le plus patient possible. Quelqu'un a abonné là, super. Est-ce qu'on a un deuxième pharmacien? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait lui comme compétence? Nigel Bickleworth. On Two Point Radio. Forget all the nonsense you've heard so far. I am Nigel Bickleworth, and I am here to restore civility to Two Point Radio. T'as pas dû prendre les deux là. Ok, donc faire attendre le patient, on va construire une nouvelle salle de diagnostic. La cardiologie. Ça m'oblige à vendre ceci. Donc la déplacer ici, la salle. En faire une monnaie. Ouais, je suis pas sûr que ça servira à grand chose au final, hein. Tu crois? Un petit radiateur, voilà, un petit extincteur pour éviter que ça brûle, même si la dernière fois il y avait un extincteur quand même et ça a explosé, ce qui est assez bizarre. J'ai du mal à me faire allier, mais bon, tant pis. Quoique l'extincteur toujours sous la poubelle, enfin sous la télé, sous la, hop là, la petite truc ici. Le café, ça a été rajouté, la petite fleur, voilà. La petite horloge, le petit truc à dessin, et maintenant on rajoute les habituels machins qui rapportent beaucoup de points. Peut-être prochainement aussi que je pense à faire une salle de repos et autre, hein, quand même. Allez, on y croit. Alors, il faut que je priorise d'abord les salles de soins. Donc tant qu'il n'y aura pas de toilettes, il n'y aura pas de machin, tant que... Ça va encore, ils sont pas complètement la ramasse. I
I wonder what madness Bungletech will dream up next. I read in the two-point squabbler they've managed to attach a human ear to a kettle. On a combien de passions, another victory for the modern world, I'm sure. On a 4 passions. Mais comment voulez-vous qu'un hôpital survive à ça, quoi? 4 passions. 4 patients qui se battent en duel. Voilà. Et là, vous remarquerez, je crois qu'on a une personne qui attend ici, qui est en infirmerie. Et au lieu de prendre cette personne-là qui aurait pu aller par là, non, non. On a un infirmier qui est quitté ici pour venir là. C'est. Je comprends pas le concept. Pourquoi il y en a un qui reste jamais au travail en fait? Donc il n'est jamais au travail. Allez, trouvez-nous une nouvelle maladie, s'il vous plaît. Hop, on a soigné une personne, c'est pas si mal. Faut qu'on reste stable, encore une fois. Toi, t'as besoin de quoi? Chair de poule. Ok, donc tu vas à l'infirmerie. Toi, tu viens seulement d'arriver. Toi. Et là, comme par hasard, tous les patients ont besoin d'un truc et ça passe, quoi. Là, comme par hasard, ils ont tous besoin d'aller soit en pharmacie, soit en injection. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Et... Oh, il y en a un qui est mort. C'est où qu'il est mort, là? La chance, mon cher ami, la chance. On a au moins réussi à en soigner, hein, c'est déjà pas mal. On est où là du coup? On a soigné 5 personnes sur 100. On a toujours lui qui est pas pressé là. Un truc de une place libre pour la formation. Encore un mort. Enfin, encore un mort. Heureusement, ce n'est pas un mort. Ça dépend des hôpitaux, je pense. Peut-être une part d'aléatoire dans tout ça. C'est quoi ces animations? Attendez. C'est peut-être l'occasion de faire un miracle. Sauf que bien sûr, nous n'avons personne pour faire des miracles. Mauvais caractère, on a 19 jours avant que ça réapparaisse, quoi, ce truc. First drive-thru has opened in Grockle Bay. Now you can order your extra crunchy burgers without leaving the comfort of your car. And remember, order more than 10 Roach burgers and get a free road shake. Je sais pas trop ce que je fais. Hein. 24 hours a day. This is 2-point radio. Mais si ça marche, je ne pourrais qu'en être heureux. L'extincteur, faut surtout pas que j'oublie l'extincteur encore une fois, voilà.
Le mot de poterie, peut-être que ce soit plus joli. Une machine à café. On va changer les habitudes. Un truc de dessin qui va aller là. L'horloge. J'aime bien mettre des horloges. J'ai mis en pause. La salle va me coûter assez cher quand même. Là elle fait mal, mais au moins. On aura un endroit où on peut essayer de soigner ces gens-là. Des infirmiers en plus qui viennent là. Mais si on les soigne, ça rapporte beaucoup. Ces mecs-là, si on arrive à les soigner, ça peut être très très bon pour nous. S'il vous plaît, faites que j'arrive au moins à en soigner quelques-uns sur l'ensemble. Sinon, je suis foutu. S'il n'y en a pas un seul qui se soigne, je perds une partie de mes revenus. Donc, il reste plus grand-chose là-dedans. Je sais que j'ai déjà dit, mais... Yeah. Sometimes wonder whether to say you and I or you and me. Congratulations, you are one of the many poorly educated louts who make life unbearable. There is a very simple formula you can apply to discover which form is the correct one, but I fear even that would be too complex for you poor souls. Peut-être tiens le coup s'il vous plaît. Bien, ah voilà, visite du ministre de la Santé si tu veux. Ah, pas soigné, c'est pas grave. Continuez à tenir, s'il vous plaît. Bien sûr, là, je tombe que sur des gens dont on connaît la maladie. C'est vraiment fait exprès, je crois. Hein. Rien que pour m'embêter, c'est pas juste. Il y en a un qui est mort, et mince, il est mort où? Là, pas de bol. Enfin, pas de bol surtout pour lui, hein, mais... Non mais tous ces gens sont des gens que je peux soigner pour l'instant. Mais non. Ah, salle des fractures nécessaires. On a combien là? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça me semble pas si mal.
trucs en même temps. Est-ce que ce qui sera important là, c'est d'avoir une salle si grande? On va la rétrécir d'un cran. Voilà, ça nous fera des sortes de couloirs comme ça. On va même déplacer cette salle. D'un cran comme ça. On va mettre la porte d'entrée comme ceci, au milieu. On va mettre trois lits. Un bureau. Une machine qui fait plaque. Alors on y croit que ça va fonctionner, hein, s'il vous plaît. Si vous y croyez pas vous non plus, on va pas aller bien loin. Ça va être expéditif. Machine à café là-bas, de l'autre côté. Truc à dessin. Là, l'horloge. Ici. Je sais pas du tout ce que je fais. Ce qui s'appelle tenter des trucs. On verra bien. On verra bien. On y voit pas grand chose, hein. Ils vont s'ennuyer comme des rats morts dans ce coin. Ils vont crever de soif. C'est pourquoi ici, on va essayer de mettre des distributeurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'aurais dit un distributeur comme ça, un petit distributeur comme ça, et un comme ça. Pile ce qu'il faut ici. Ils ont pas de quoi s'amuser donc ils vont s'ennuyer, mais c'est pas grave. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, et on y croit maintenant, à fond. À fond les ballons, on y croit. D'accord? Voilà, ils sont tous en train de dire qu'ils s'ennuient, mais c'est pas grave. Pas suivi, donc forcément que ça marche pas. Embaucher, est-ce que je peux avoir une nouvelle infirmière, s'il vous plaît? Ou toi, t'iras tout en pharmacie, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. On va les chouer, mais au moins, ça nous fera des gens à soigner. On y croit, jusqu'au bout. Croyez-y. I overheard two adolescents mocking a poster advertising this radio station and yours truly. And can you believe it? They didn't even know what radio was. I'll tell you what radio is, you sultana brained mischief. Toi, c'est quoi ta maladie, chair de poule? It is a delivery system for class and integrity. It is the home of the world's noblest profession, and it is the fastest growing medium among people with three-figure IQs. Next up, some god-awful jingles. On a encore très très peu de patients. Ouais, j'ai pas vu que je pouvais... Ouais, j'avais jamais vu ça. Allez, c'est l'en soigne, juste un de plus, c'est bon. S'il te plaît. À fond les ballons, vas-y, soigne-le celui-là. Je sens qu'on n'arrivera pas à le soigner, attends. Un mort ou ça, là.
Cousin est déjà niveau 2. Il lui a pas été soigné non plus. Ok. Bon, on a un mort, c'est dommage. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Et voilà, on n'a pas pu les soigner, dommage. Bon, c'est pas grave, l'important c'est que ça rapporte des sous. 2 sur 7 patients. On enchaîne les morts les uns à la suite des autres. Ils sont pas assez doués, nos gars. Aïe, on s'en est où, ça? Mais ça devrait mouiller les serviettes avec ça. On fait que tuer nos patients au lieu de les faire mourir ou les rendre encore plus malades qu'ils ne le sont. Tout va bien. Labo de marmiton, faire attendre de patients, vas-y. Malheureusement, c'est fait partie de ces salles qui ont besoin d'un peu plus de place. Extincteur, toujours. Voilà, je pense même que je vais la tourner après la salle et je vais la mettre de l'autre côté, en fait. Qu'on ait plus de place pour circuler ici. Et je mettrai les toilettes. Ça me paraît pas si mal. Dont on avait besoin de base. Ah, une petite fenêtre serait bien, ça. Voilà. On va essayer de faire passer ça correctement. Parfait. Parce qu'après la salle, je veux juste à la déplacer, en fait. For this very special edition of Sir Nigel Reviews, voilà, c'est vite qu'ils attendent trop là. Under funerary home. I wish to make arrangements for my own eventual demise. And as with everything else, on a déjà un docteur qui veut faire ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va. Buried for 3 hours in a variety of coffins. I finally tous ces morts qu'on a. Bon, c'est pas grave, il paye. Worm-resistant oak casket. Greatly recommended. Pas énorme, mais si on en met dans tout bâtiment, ça devrait aller. On a un radiateur, on va mettre un petit truc comme ça à l'intérieur. On est à peine au niveau 2. Un petit peu d'heure. Normalement, les toilettes ne peuvent pas prendre feu. Quitte à faire les toilettes, on va quand même en faire des folies. Il manquera pas grand chose. Hein. Yes, c'est bon. Prestige niveau 5 pour les toilettes, parfait. Et il nous faut un médecin capable de gérer ce genre de choses. On avait déjà pas un comme ça, qui était comme ça, un petit un membre du personnel. Toi là, tu pourrais pas y aller à l'intérieur là, de la salle? Pourquoi il nous manquerait un médecin? Et hop, 20 000 dollars.
Ah mais là je peux pas faire mieux que ça hein, monsieur. Ah c'est lui qu'on a envoyé en salle de diagnostic. Ah fait schtroumpf, faut lui quitter dessus et voir si je pouvais faire autre chose. On va croiser, doit y acheter un autre bâtiment, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que j'embauche plutôt un médecin, mais... Il est où le médecin que j'ai engagé? Normalement, j'avais engagé un autre médecin. Et je le vois pas du tout. Il y a lui là. Ah, il est dans la salle de soins. Donc au pire, il me faudrait juste un médecin qui s'occupe uniquement de la salle diagnostique. Voilà, et lui, on lui interdit d'y aller. Et on lui laisse tout, faire tout le reste. Pardon. Voilà. The world-renowned Cirque du Parfait is no longer under investigation. So come experience the magic, wonder and terror of our glass bone. Non, attends, pour l'instant, on va patienter un petit peu. And face-eating clowns. It's a parfait day at the circus for everyone. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. Bon, ça, c'est pas être très très joyeux. Première année, ça va. On a quand même des récompenses. Là, on voit qu'il y a un mec en pixelite. Et eux ont froid là. Pourquoi ils ont froid? Ah, effectivement, ils caillent dans ce coin. Voilà, ça va aller mieux. Parfait. Normalement... Ah bah ça, ça est terminé, j'avais oublié les détails. On va lancer le projet, voilà. On va essayer d'améliorer ça. On va y croire, on va y croire. Voilà, j'ai voulu avancer trop vite sur l'avant-dernier niveau et du coup, ben, c'était loupé. Bon, ils ont toujours pas salle de repos, ce qui fait qu'à mon avis, ils vont rapidement péter des câbles, mais... Au pire, ce que je ferai, c'est que quand j'aurai une nouvelle salle, je déplacerai ceci dans ce bâtiment-là. Terrain 9, terrain 10. J'hésite. J'ai pas le choix là. On verra bien. Je tente. J'aime bien la façon dont tout s'aplatit quand on regarde ici. C'est assez rigolo. Est-ce qu'en termes de patients, j'ai des gens que je peux envoyer en soins? Parmi tête, c'est bon. Là, je peux rien faire pour lui. Chair de poule. R-
Ah bah je vois, histoire qu'on récupère quand même des sous, hein, parce que... Today's guide to good manners is one that is dear to my heart. How to greet one's betters. Well, I for one would prefer you to bow. Au pire, c'est là qu'il faut que je fasse un gros emprunt. Legal, if you're up to it. Make no eye contact unless encouraged to do so. Also, do not forget that my first name is Sir. If all that is too much to remember, just don't greet me at all. Il a psychiatrie, donc il pourrait aller en psychiatrie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va quand même tenter un gros emprunt. Donc il y en a un qui attend, mais qui attend pourquoi déjà ? Pixelite. Comme ceci, petite fenêtre qu'on va mettre au bout avec l'extincteur dessous. Toujours se rappeler, petite fenêtre, extincteur dessous, comme ça au moins on est tranquille. Hop là. Petit dessin. Petite horloge. Et on termine la salle comme ça. Les deux murs comme ceci. Parfait. Ensuite, salle psychiatrie. Petite fenêtre. Voilà. Un petit truc comme ça, ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave. L'extincteur, normalement, on n'en a pas besoin. J'espère que c'est bien le cas, sinon je vais dans la mouise. On va pas chercher à faire du sale de folie, hein. On va juste chercher à faire le minimum pour que ce soit plaisant. Normalement, il y a rien qui peut prendre feu dans la salle, mais au cas où, on va quand même en mettre un. Petit café. Et ensuite, comme d'habitude, on va poser... Ah, il n'y a pas une lampe ? Qu'on avait des lampes qui étaient plutôt classe là. Voilà. C'est avec la même de l'autre côté, c'est rigolo. Et on va achever la salle avec ces machins là. Ça va le faire. Ici avec un gros radiateur pour tout chauffer. Hop là. 1, 2, 3. Une petite poubelle, ça passe. Ça passe pas. Tant pis. À côté, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, c'est trop grand. Donc maintenant, on doit pouvoir accepter ça. On avait quoi comme autre truc de truc qui aurait été demandé? Bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. Par contre, si on peut embaucher des gens, c'est peut-être pas mal. Je pourrais une salle de formation. Ça, ça me paraît important, la salle de formation, là, tout de suite. C'est comme ça. Petite salle de formation, non? Ça vous parle pas, ça? Voilà. On est déjà à 10 000. On en met
mettra peut-être d'autres après. Pour l'instant, on va rester sur ça. Voilà, comme ça, au moins, je serai tranquille. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Ça va le faire. Ça va très bien le faire. Et ensuite, on fera une salle de repos, si on peut, si on a assez de sous pour ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, on peut s'en sortir, c'est pas mal. On va pas tarder à s'arrêter, je pense. C'est dommage, on aura fait deux rediffusions qui auront quasiment servi à rien. On lui a pas été soigné, mais il nous a payé, c'est l'important. C'est la chose qui compte. Nous avons été payés. Est-ce qu'on a des patients, là ? Qui sont en mode diagnostic. Vas-y, c'est bon, on peut y aller. Diagnostic. Diagnostic. On va essayer de faire au mieux. Hein. Et un de soigner. Ça va. Non mais dès qu'on a des salles pour soigner, normalement ça va mieux. Hein. Alors le mec il vient en Freddie Mercury, il ressort presque comme Michael Jackson. En Jackson 5. On va commencer une formation directe, c'est lui qui va nous rapporter des sous après. Hein. Et plus il ira vite, mieux ce sera. Et de deux de soigner, c'est bien, continue comme ça, mec, ce sera parfait. T'arrête pas en cours de route, s'il te plaît. Il y a des tas de personnes qu'on n'arrive pas à soigner, là. Ça c'est déjà niveau 2. Ça c'est déjà niveau 2. Ça c'est déjà niveau 2. Ça c'est encore niveau 1. On va attendre encore un peu. C'est où que c'est mort, c'est là. C'est pas joyeux, hein. Et le 3 de soigner. Eh hey, on est pas si mal. Là. On est pas si mal. Buy Podsworth Frozen Peas. Au moins, on a quasiment un peu de tout pour essayer de soigner les gens qui arrivent. Donc c'est déjà un bon début. They are canned and ready to. Oh, I can't read this swill. Who wrote it? And how can you grow frozen peas? And who freezes cans? Is it really necessary to tell everyone which month follows July? And this sentence construction, good grief! You treat them like. You treat them like farmyard animals. The whole thing is a disgrace to humanity. Honest, I can't do this anymore. You waste my time, you people. I've had enough. I'm going to the Chardonnay. Je suis en train de me demander. Encore un mort. Je suis en train de me demander si là. Je vais pas essayer de mettre des. De quelle la porte et mettre des toilettes ici. Comme ça, je déplace là. À la place, je construis une salle de repos. Parce que vous remarquerez qu'ils sont toujours pas de salle de repos, les mecs. Hein, donc c'est un peu compliqué. S'ils dépriment, c'est pas étonnant. Quoique ça a l'air d'aller plus ou moins, à part lui là, qui est pas content, mais. Des poubelles, regarde, il y en a une là, il y en a l'autre là, il y en a une autre ici, je crois. Il y en a partout des poubelles. Donc c'est eux qui veulent pas les trouver, hein. Eh, c'est bon, je suis dans le positif pour ça, là. Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait s'occuper nos camarades... les deux savent s'occuper des fantômes, donc c'est bon. Pas
encore, monsieur. Est-ce que la machine qu'on avait améliorée est terminée? On va améliorer celle-ci aussi. Et celle-ci. Après. Pour l'instant, notre taux de soins reste correct aussi. On est bon. On est bon et c'est surprenant. Il y en a dans le positif. Voilà, je trouve c'est beau ça. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Et pas 20 000 dollars en plus. Voilà. C'est pas cool, il y a surtout qu'il y a plein de gens qui attendent. C'est pas cool, cool. Alors est-ce que nous avons encore des diagnostics ici qui peuvent aller se faire soigner? Genre lui. Ah bah je vois. Rien, rien, on peut te faire soigner, main de tête. Toi voilà, pixelite. Toi hop, pixelite. Fondement solide, toi momification précoce, toi rabat-joie, et toi on sait toujours pas. Du pognon, Ça dépend d'où est-ce que tu as placé ta salle de formation Urtica, parce que le formateur en général, il arrive par hélicoptère, tu vois, il va sortir ici. Normalement c'est lui là. Ah non, ça c'est impatient. Le formateur vient de l'hélicoptère, donc souvent c'est pas lui qui est en retard, c'est l'hélicoptère qui peut se poser très loin. Et ensuite il faudra que je donne une leçon de formation, enfin, une formation pour le traitement. Et voilà. Voilà, voilà. Déjà mieux. Bon, de toute façon, peut-être falloir qu'on pense s'arrêter, non? Il est 8h37 que je suis en live. Et il est 6h du matin. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah du coup, on va faire une coupure ici. En espérant que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en votre compagnie, on va mettre en pause. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup, cela fait plaisir. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut !